dans Gressier et diverses zones, surtout dans Kafou, décidé, madame, mademoiselle et monsieur, commencer à mettre qui choisit à terre pour m'en dire. C'est dans toute caille, la police a battu. La police a débarqué dans plusieurs zones. Dans l'ambi, la police entre dans caille. Population manchette dans main, couteau dans main, roche dans main, caoutchouc sous couyo, yo gen gaz yo nan main yo, alimet yo nan main ou bien briquet yo nan main yo, y'a cherché bandi. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est population même qui a expliqué bien faire et comment yo même, coopération entre yo même avec la police la bien marché. Itagui, soit deux entités sa remet ensemble, yo dit faut que yo fini avec Kati bébé Bougoy. Yo dit faut que yo fini avec Kati Toro, pratiquement qui est le bout de bar. D'après information que m'gagne, bagala tellement te mort romain, même bout de bat assemblé te pour ti paté chaud. Bout de bat assemblé te gon ti bagay kembe nan mel. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chef que gè bout de bat nan moment n'a parlé à la a, donc li gagne on ti prise selon tout dernière information que m'gagne yo et li bien touché. Mes frères et sœurs amis, j'en ap gade sou écran là, c'est qu'on senti monsieur soit yo. Il t'a yo met pied à terre, yo débarqué dans en zone Gressier encore une fois. Il a frappé dans zone Merger, il a frappé dans zone Kafou, dans l'ambi. Mais si on traîne toute caille, c'est koto koto koto. Plusieurs bandits retardés, plusieurs bandits pas levés. Mesdames, mademoiselles et messieurs, si bébé Bougoy c'est bon pied qui chapelle, qui la cause. Dans le moment n'a parlé alors pas déjà metté. Adieu bon pied monsieur. Ou pas déjà metté. Donc c'était une personnalité nuisible bon pied pitié le petit bébé Bougoy là. Bonjour à tous. Comment nous y est-ce que kebe? Est-ce que tout baga en forme? Ou sou chay pa kout la maman pemba? Jodi am décidé pour m'pa mélanger trop bagay. Le kake misyo sa. Mais sincèrement, nan moment n'a parlé à la li important pour que moi partage à kou même plusieurs informations qui extrêmement important. Mesdames, mademoiselles et messieurs, li son évidence totale et capitale pour que ou comprenne étendez qui gros action que la police a mené. Et surtout dans la zone Carrefour. Pas oublier non, bandit te fait tout ça que capable pour prendre contrôle la plusieurs zones. Eh bien, en pile tiré te gagné dans la zone Gressier. Mes frères et sœurs amis, population te gagné en pile mouvement que a fait. Yo accompagné avec la police. Yo décidé dit faut que yo retourne la caillou. Et puis dans retourner la caillou, mais yo fait connaître que quel que soit Jean, faut que yo font pas en pirouette et pas se prendre. Tout chef ti bandi, tout chef de gang qui te l'acte à faire l'orbeil, surtout dans la zone ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, écoutez extrêmement bien. Moi, j'ai à plusieurs à cadavres, yo signalé moi. Cadavres à plusieurs chefs de gang qui a tombé pas levé dans la zone mergée. Pendant que la police a patré, la population même lui dit que, pas de bagaille comme ça. Pas de bagaille comme ça. Dans une zone qui est les collines. C'est la population qui a bouche qui a expliqué bien fait, mais qui s'est passé à. Sous quoi mentir, faut regarder. C'est quand on pense à mouvement, à une colline, nous vivons, nous sommes passés à Charlotte. Charlotte a des gros mouvements. Nous passons de Sénégal, nous vivons dans la colline, nous obligés de faire une vidéo. Les voisins du village ont commencé à aller dans la colline. Donc, ça c'est vive la police qui a crié là. C'est parti, manger, chercher mal foyo. Ils ont répliqué en pile. Ils nous poussent à aller. Ils descendent dans la tête monosique. Dans un village de mille, ils mettent la pile du feu. Mais on connaît. J'avais la gondole commencé, la gondole obligée pour camper. Donc, la police est obligée pour un repos. Pour la journée là. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est comme ça et pratique pour la population. Il est d'accord pour le faire jumelage avec la police. Et dans le moment, si bébé Bougoy est un problème. Selon toute dernière information que j'ai eu, Négio t'a demandé à Kati Lapli pour replier. Pas oublier, non, Négio t'a tellement à faire l'obé, Négio t'a dit pour un paquet de zone. Eh bien, donc Négio replié à le joindre. Donc, à le joindre, monsieur, jusqu'à mes frères et sœurs amis, Mariani. Boudba même qui comprennent qu'il est capable. Selon toute dernière information, Boudba pote mouré. Population a témoigné qui quantité courir qui n'est que ça va faire. Les ouais soit, y ouais Utag, y ouais quantité travail, quantité bâton. Donc Utag a mis la tête négio. En pile la négio t'es un point. En pile la négio t'es de quoi que.
Donc, il n'y a pas qu'à prendre balle, il n'y a pas qu'à gagner de problème, il n'y a pas qu'à mourir, il n'y a pas qu'à gagner du tout. Eh bien, tenez-nous, nous avons nous dis-moi, qui quantité, donc, soldats, si bébé, vous voulez arrêter. Si petit son, qu'on est battu col, qu'on a pu faire col, qu'on a vu école, tout l'école, fait ça le pito, ça le souhaiter. Eh bien, dans le moment, mesdames, mademoiselles et messieurs, si bébé, vous voulez arrêter problème. Dans le moment, mesdames, mademoiselles et messieurs, si bébé, vous voulez arrêter, courir. Si bébé, vous voulez a fait face, mes frères et sœurs et amis, donc, à Kapil Wagay. Monsieur, il retourne actuellement là, dans la zone Mariani, Albaï Korom, à Tibouba. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous dis à la police, t'en prie, continuez à faire travail, avancez, parce que je suis au courant. Allez, l'homme, l'autre bossa qui va le passer encore. Guerrier du seul. Si nous regardons dans l'émission, nous faisons déjà, peut-être un mois après, Monsieur Kony était fini installé. Un mois après, elle a fini de constituer le gouvernement. Là. Je me dis, maintenant, 100 jours pour mal juger M. Kony sur 4 éléments. 4 éléments. 4 éléments, ça, ce n'est pas moi-même qui ai inventé. Ce n'est pas moi-même qui ai décidé de choisir. C'est Gary Kony lui-même. De retour. Et au pays, l'elle de fin participer dans un voyage officiel qui était fait à Washington. Nan. Voyage qui était mette du feu volant entre lui-même avec CPTA. Il était fixé tête les 4 priorités. 4 priorités. Et nous te dit nous prenons note. Et c'est à partir de ces priorités que nous autres, nous prenons non seulement pour nous juger Gary Kony avec l'équipe pendant ces 100 premiers jours, mais juger pendant tout restant la bien pour le passant d'un pays comme chef gouvernement. C'est lui qui te dit priorité. C'est pas moi. En guise de rappel, ça doit échapper au guerrier du seul. On a des hommes. La première priorité, là nous sommes dans le volet sécuritaire. Puisque plus gros attaque population, c'est qui sa gouvernement a fait, qui sa pouvoir ça a fait. Pour permettre libre circulation d'un pays, circulation des biens et circulation des personnes, des citoyens. Et qui ça pour faire pour s'arriver possible, c'est l'insécurité avant de mater. Libérer route, mettre gang de côté de météo, et puis faciliter tout le monde vaquer à l'occupation. Première priorité. Gary Kony te dit. Pendant le premier ministre, il va finir avec la question territoire perdu. Ce n'est pas moi qui te dis. Si bien que le premier ministre est clair sur ça, il va récupérer le territoire perdu. Caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. 100 jours plus tard, où est-ce qu'on en est? Gary Kony te dit. La bien pour accompagner tout le monde qui déplace yo pour yo capable de retourner la caillou. Je dis à nous d'accord si gagne un bilan qu'a présenté population gagne droit à des chiffres dans l'intervalle combien de déplacés internes nous permettent yo quitter camp côté OTA hein? Nous permettent yo quitter côté mal dormi yo place publique OTA yo pour y aller rentrer la caillou que vous avez acheté, que vous avez construit pendant un bon nombre de temps dans le pays. Qui ça chiffre là. Troisième priorité, Gary Kony dit, c'est circulation libre-libre pour tout le monde. Est-ce que c'est possible dans le moment où on a parlé là? Est-ce que je garde son Delma à l'aise? Est-ce que je garde l'acheter dans l'entreprise qui était Delma 16? Par contre, et quatrième et dernière priorité, justice et réparation pour toutes victimes à gang. Voilà les 4 priorités de Gary Kony. Donc moi-même qui n'ai pas apprécié, ou bien que tu as noté 4 priorités, ou bien 4 priorités ça, je dis, si mon bilan est fait, je ne peux pas attendre que je dis bon, c'est acté toutes 4 priorités que nous avons. Travail sur eux et pour tes résultats. Mais au même temps, vous dites, mais côté n'y est, mais côté n'y est, je vous dis.
Attends ça. On garde le territoire perdu. Si quelqu'un est venu, c'est pas lui qui vient avec le concept territoire perdu. Autrement dit, c'est pas sous lui territoire commence perdu. Donc s'il vient lui-même qui s'en a pas tant, liste de territoire perdu, ta doué commencer diminuer. Ou tout au moins, tout à cas dit tout que. Nous empêchons notre territoire perdu. Empêchons notre territoire perdu. Oui. Mm-hmm. D'accord. Oui. Yeah. Un, ce soir, nous disons que nous avons 10 territoires perdus. Je dis à l'Ibaza 9, l'Ibaza 8, l'Ibaza avec 7, l'Ibaza 6, etc. Mm-hmm. Même si nous pouvons arriver dans 0, parce que le travail là, madame Pilbra, il doit paraître un petit peu difficile, pas impossible. Yeah. Ou bien, nous disons, en attendant que nous réduisions, banque B10 là et puis empêcher bon 11e, bon 12e, bon 13e. Exact. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Parce que si nous songeons bien, c'est souré M. Konilan, oui, Gressier vient détériorer comme ça. Si nous songeons bien, c'est souré M. Konilan, oui, Gantier détériorer comme ça. Si nous songeons bien, et souré CPT M. Konilan, oui, car il faut venir détériorer comme ça. Mm-hmm. On est capable de citer plusieurs autres zones. Est-ce qu'il y a de quoi à s'inquiéter ou bien il y a de quoi à se décerner une satisfaction au niveau du gouvernement? Par contre, vous comprenez? C'est simple. Ça va être un gros calcul arithmétique, grande analyse, grosse réflexion. Simple comme bonjour. La première priorité, c'est fini avec territoire perdu. On n'a aucun problème avec ça. Maintenant, entre le ou fixer aux priorités, à jour dit à vous présenter au bilan, n'importe qui moun gazo, monsieur le Premier ministre, qui côté n'y a avec territoire perdu? Mm-hmm. Par contre, vous êtes d'accord, Ronald des hommes. Ouais. Deuxième priorité, c'est accompagner pour tout déplacer, accompagnement, pardon, pour tout déplacer. Car retourner la caillou. Si nous croyons OIM, chiffre de place, c'est interne par suspend augmenté. Je ne parle pas de dernier chiffre en date là, je vais dire qu'il y a cherché le point de ma parler. Mais entre le, M. Goni, chef gouvernement, aujourd'hui, ce n'est pas diminuer ou diminuer. Ça, on en est sûr. C'est augmenter ou augmenter. Donc, si on n'est pas capable, prend ensuite logique territoire perdu comment ka faciliter moun retourner la caillou au point ko ta ka accompagner yo comprendre logique là oui Ronald pour me faut retourner au côté ou pas ka aller faut moi me gen contrôle côté a est-ce que d'accord donc si m pa ko prend contrôle côté a m pa ko gen côté a m pa ko récupérer côté a m pa ka tou ka tourner et sou pa ko ka tourner par aucune façon pour m'accompagner yo. On ka accompagner de côté hier étant par exemple dans pile déplacer Carrefour Feuille ak dans l'autre zone en dans région métropolitaine qui trouvé yo dans des établissements scolaires qui jodi a constitué des camps sou di ou pa accompagner moun yo tout court moi m ka conclure ou pa accompagner de côté hier étant est-ce que d'accord a veut dire si m'aller lycée Marie-Jeanne m'aller dans l'autre lycée dans l'autre école qui gagne quand yo, m'ka demande moun yo, qui sa gouvernement fait pour nous pendant là? Yeah. Est-ce que nous bien dormi? Est-ce que nous mange pendant là? En attendant que yo pour ka fin retourner la caillou, est-ce que yo traite nous tant que moun pendant là? Mais attention, M. Koni a été précis et clair. Accompagnement pour tout déplacer yo, ka retourner la caillou. Yeah. Ma on se comprenne. Donc, si vous pouvez récupérer le territoire perdu yo, territoire que tu viens en bas contrôle nèg exam yo qui était la cause que moun sa yo même obligé quitter la caillou aller réfugier dans des camps ou pour ka di ou ka faire retourner et même accompagnement ça va parler là la prêter dans l'air. Troisième priorité Ronald des hommes circulation libre pour tout le monde. Nous ne sommes pas en train de dire que dans l'espace de 100 jours, tout bas était doué clair
moun capable de monter descendre n'importe l'heure n'importe côté dans pays nous pas dit ça mais qu'on y a là faut regarder qui signal qui voyez qui faut que faire dans l'intervalle pour qu'à faciliter la libre circulation des citoyens et des biens dans pays parce que moun cap tande la kadou les monsieur qu'on y prend tête pays comme chef gouvernement nos principales routes nationales ont été bloquées. Ces gangs à exam qui contrôlent, qui installent des postes de péage sous yo. Donc, dans l'intervalle, à défaut de tout, dans toute route nationale, yo, qui est dans yo, au moins, il y a des interventions qui font et qui révèlent aux foutues que la machine a passé normalement sous yo. Moun n'y a besoin aucune. Et route nationale qui n'est pas bloquée, vient gagner quand même. Des impacts sur eux par rapport avec le principal qui bloque eux. Ouais. Par contre, vous comprenez? Yeah. Les routes nationales numéro 1 en bloqué. Tout le monde qui a sorti dans la région métropolitaine pour aller dans le Grand Nord, ils ont passé par la route nationale numéro 3 au niveau de plateau central notamment. Mais les ont quitté au plateau à zone Inch. Il y a les non-série de routes qui n'ont pas fait pour ça. Nous parler qui ça conséquence. Nous parlons de sa conséquence. Avec route Saint-Michel de la Talaye et Saint-Raphaël, ou bien Saint-Raphaël et n'y passe par Saint-Michel, ou bien soit prendre de l'autre côté ou aller dans le nord, Saint-Raphaël, Dondon, etc. Route ça, ou te déjà dans un état déplorable. Vous venez pour recevoir une série de camions qui remplissent le tonnage de poids lourds à longueur de journée. Qui vient mettre dans une situation critique davantage. Yeah. Donc ça veut dire, malgré que vous n'avez pas de gang sous yo, mais conséquences insécurité, vous subissez. C'est ça que je dis, même si ce n'est pas toute route nationale bloquée, mais le fait que principale route nationale est bloquée, route nationale numéro 2, route nationale numéro 1, qui a accès à la région métropolitaine, nan, ou bien qui connecte la région métropolitaine nan avec le pays, vin gagner de l'autre conséquence yon pi grave passé l'autre et m'bral bon on l'autre bagay qui a développé au niveau de certaines zones pas dit toute zone bon série de monde qu'on y a qui ouais grand pile machine qui fait zone là et grand pile axe routier pas forcément de présence policière sou yo ça veut dire c'est bien loin pour aller un policier ou bien sous commissariat gen des monde qui érigé qu'on y a là qui mettait des fils ou bien des barrages qui avaient exigé machine yo cob soit pour passer maintenant route là qui ça c'est des jeunes qui organisent qui ont une activité l'opportunité là ils font les banques sérieux mais dans 2-3 mois par contre qui ça jeune ça va devenir jodi a commencé avec des rendez-vous yo commence avec demain yo bon par contre 3-4 mois les web là commencer intéressant ou bien si ou bien réticence bon côté usager route là yo capable passer dans l'autre phase parce que nan bloqué route nan fait barricade gan pile nèg exam qui prend naissance par contre vous comprenez nous t'avons essayé regarder conséquences route nationale niveau 1 niveau 2 bloqué donc ça veut dire qui ça si monsieur Koni vin il te dit yon nan priorité c'est circulation libé tout moun ak bien dans pays donc au moins faut ta ouais gagne une intervention qui était faite sur yon route nationale pour dire mon cher, avant M. Koné, ça t'est bloqué totalement. Mon cher, depuis que M. Koné vient là, tout va être là, au niveau national numéro 1. Au moins, on attend de prendre 2 ya, on attend de prendre l'autre, etc. Alors, si nous avons moins exigeant même envers le Premier ministre, là, par rapport à bilan que je lui présente à Johnny, nous avons dit que débloquer un axe routier capable de paraître un plus gros problème. Et en 3 mois, le Premier ministre ne doit pas capable de faire ça. Mais tout au moins, on réduit la échelle qui est plus près et qui est plus petit toujours. On a la quantité de déplacés et qui site qui occupé. Notamment, par exemple, les gens qui sont hébergés dans de l'école nationale ou bien de lycée, par exemple. Nous à l'approche de l'ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre qui est venu là. Qui quantité de l'école, par exemple, qui est déplacé internement? Je dis là que le gouvernement est en fait diligence pour que l'espace soit libéré, pour que l'espace accueille l'élève l'école dans
et ouverture l'école là par exemple. Hein? C'est des bilans que nous avons présentés, mais ça, yo, c'est des actions rapides, vite, en 3 mois, je pense que ça, est capable de faire. Peut-être le gouvernement qui doit dire, mon cher, pas ta caguette dans courir, résoudre tout problème de sécurité, à débloquer Matissan, qui a plus passé l'année, depuis le bloquer, débloquer Canard, etc. Mais tout au moins, il y a un ensemble de béaba là, en dedans, pour tout prince là même, par exemple, qui a caguette à dire, c'est rapide, vite, et qui a peut-être fait sentir que y a une action qui commence à faire, même si beaucoup résoudre problème de sécurité, axe routier, pas axe routier, mais tout au moins, Sky Park Island a commencé à sentir quelque part. Donc là, c'est une préoccupation toujours. Je vais venir ensemble avec l'autre et avancer, ou te faire sur question et corruption, je vais plutôt venir avancer et Johnny. Et dernier point, en parlant de priorité, c'est réparation. Pour tout le monde qui est victime, pour tout le monde qui est déplacé, ou bien qui perd du caille, qui perd du bien, ou bien nèg exam et fait d'appuyant sur yo, etc. Donc, d'accord, et si nous ne sommes pas capables de venir au territoire, nous ne pouvons pas faciliter les gens qui déplacent, nous ne pouvons pas même identifier les gens qui déplacent, voir si nous sommes capables de mettre des chiffres sur eux, ou pas de dire qu'ils vont réparer. Qui est-ce qu'ils vont réparer? Qui est-ce qu'ils vont dédommager? Par contre, vous comprenez. Et moi, bien content qu'on vienne avec ça. Ce n'est pas dit, dans 100 premiers jours, 4 priorités, vous devez résoudre déjà. Vous pouvez dire que vous avez des dispositions qui prennent pour venir avec solution pour vous déjà. Mais vous avez dit que vous commencer. Yeah. Et vous avez dit que vous ce n'est pas dans la tête nous pour lier seulement comme plan. Il faut le visible. Mm-hmm. Avant ce moment-là, je vais vous dire que vous avez camp. Et vous avez idée là. Yeah. À défaut de route nationale numéro 1, à défaut de récupérer le territoire perdu, moun kon yan la ki kite kay yo ki trouve yo dans des camps plus que un an après de qui ça l'état fait pour yo et gon paquet l'école qui occupé là est-ce que yo pral passe son deuxième année nan éparpillé élèves yo dans plusieurs espaces parce que de l'école qui gen belle local yo là notamment des écoles publiques pendant reste année scolaire qui se passe là c'est dans plusieurs espaces yo y avait yo ka wè ti moun première année deuxième année troisième année dans tel espace. Si vous avez 4e, 5e année dans tel autre espace, etc. Vous avez un peu de temps en parlant de l'élèves dans l'école. Là. Par contre, vous comprenez. Donc, à défaut de récupérer le territoire, à défaut de débloquer l'axe routier, à défaut de prendre contrôle au sérieux des zones, nous pensons qu'il y a des interventions qui ont été faites à ce niveau. Mais malheureusement, je dis à nous pas dit par un qui fait. Nous ne sommes pas en train de cracher si nous avons dit comme ça. Sous des interventions probablement qui faites avec la police nationale d'Haïti, avec peut-être les forces armées d'Haïti et pourquoi pas les touristes kenyans. Nous ne disons pas qu'il fait. Yeah. On y a un sac fait, yo. Axa, attente, yo, et puis réalité, on garde des fossés. On se comprend. Donc, si réalité a toujours été même gens, donc tout ça fait oui pour y abriter. M'attend des mini justice là qui a parlé, n'a parlé de maître Carlos Hercule dans mini documentaire là. Là monsieur a commencé à parler, moi l'avais numéré combien poste police, infrastructure de police qui détruit, combien zone bandi au prend, combien espace occupé dans la région métropolitaine là. La énuméré. Non, peut-être pas mon samedi. Je dis tête, monsieur Hercule Pralvin dit après, eh bien, dans ton poste de police, bandit était détruit pendant 100 premiers jours, mais combien aurait été récupéré? Yeah. Par contre, vous comprenez, non? Dans ton zone tribunal de paix, pas existé parce que bandit, trois fois boulé ou bien vandalisé, mais combien il arrivé à faire fonctionner? Dans tant de territoires qui étaient perdus ou bien tant d'espaces qui étaient occupés par des gangs armés avant nous arriver là, mais combien nous arrivons à récupérer? C'est ça matin que je vous dis. Je me vire, je me finis de me retourner là encore. Bah, rien, non? Il y a des gens qui ont demandé comment tu fais attendre à ça. Non, matin, puisque son documentaire m'a regardé pour la première fois, je prends soin, je prépare là. Chaque ministre va le dire, dans le niveau pas, mais qui ça a fait? Mais c'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique quand même. Là, je finis de
Gary Gounet qui fait introduction. Et puis, il m'a attendu, ministre. Mais ministre qui était intéressé, c'est Carlos Hercule. C'est ministre de Justice et Sécurité publique dans le pays. Il dit, chef gouvernement, il ne doit pas parler lui-même puisque c'est lui qui a coordonné. Il doit avoir des détails. Mais ministre, il doit avoir des détails. Comme c'est vous, la sécurité est plus intéressée. Donc, maintenant que M. Hercule, ou bien M. Hercule, comme vous voulez l'appeler, Pralvin Nalbral dit moi, mais ça nous déjoint comme situation, mais ça nous fait 1, 2, 3, 4. À aucun moment de la durée, même des chiffres, vous ne mettez pas, non? Oui. Mais je ne sais pas si constater ça tout. Et 1000 ans plus, toute intervention, ouais, c'est futur. Futur, c'est un peu plus et utilisez-vous. C'est pral, tout bagaille, c'est pral. Et c'est comme si nous avons dit que c'est l'évaluation que vous avez fait dans 100 jours là, et puis vous avez annoncé du bail que vous avez fait. Maintenant, il y a un bail qui est fondamental. Moi, j'entendais plusieurs interventions de ministres dans le cadre des activités qui fait un gros hôtel d'ailleurs dans Pétionville. Vous avez un hôtel sans ville, le Caribe. Monsieur, l'homme entendait chaque intervention, moi, juste dites moi, est-ce que c'est Gary qui conseille Conny? Est-ce que c'est Conny qui conseille Gary? Ou bien est-ce que c'est Moun qui voulait dire Premier ministre ça que l'Itare m'étendait, qui parlait avec lui seulement? D'ailleurs, Premier ministre a une approche qu'il fait. Je pense que c'est une très, très, très mauvaise approche de question responsabilité par rapport à question sécurité. Hein? Monsieur dit dans l'intervention là que société prend toute charge sécurité la gueule sous dos la police. Non? Comme si c'est la police qui pas capable, la police qui pourrait le goût magbandi, etc. Moi-même, je dis pour le ministre que ils font fly par rapport à ça. Depuis avant, Gary Conny était premier ministre, tu as eu une réflexion faite dans la société sous question sécurité déjà. Et toute réflexion, ça, que tu deux groupes organisés dans la société, que tu deux intellectuels qui font de conférences, qui intervenu dans la presse, que ces deux simples observateurs avisés, Johnny, tout le monde a expliqué que l'insécurité qui vient là, je veux dire, c'est l'insécurité d'État. Et que c'est l'État qui pas prend responsabilité, qui permet que ça arrive là, je veux dire. Et si l'État prend responsabilité, il y a un pile de rives, un pile de zones qui produit, qui a été corrigé. OK? Maintenant, le ou a attribué la question, c'est la police, que mon a pas culé, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est d'abord origine problème. Nek kap founi zam, nek kap founi munition, nek ki gen intérêt économique, qui a pas alimenté ça qui là. L'État a une tolérance que li observe vis-à-vis de lui, qui vient permettre que manifestation problème nan travers nek ki gen zam nan men souterrain. Li vin salier jodi en Haïti. Maintenant, gen de responsabilité qui pou prend, et c'est là que nous mande que l'État li même li ale. Bandi a tombé, bandi ak sapat a tombé, bandi ak sapat a arrêté, mais en même temps tout, bandi ak cravate a prend et sanction que dérive que y a fait et l'État prévoit pour lui, bien la loi prévoit pour lui, et puis ou a mette ou en prison, mette ou en état de nuire, etc. Ça voulait collaborer, après le ça voulait collaborer, après le côté pour y aller, aussi simple que ça. Tout problème que le ministre souligne dans le cadre d'intervention, aujourd'hui, par exemple, dans des ministres condition femme qui dit ah, femme yo victime en pile, et yo pral regarder comment y a intégré l'organisation femme yo dans série de ceci. Écoute, tout problème qui gagne là, qui gagne rapport avec humanitaire, qui pour résoudre yo, yo tout yo tiré origine de problème sécurité qui gen dans pays ya. C'est crise sécuritaire là qui engendre toute l'autre bagaille qu'on a parlé de yo. Vouloir attaquer la crise humanitaire sans que nous pas attaquer crise sécuritaire là, même si c'est la vie, mais c'est raté. Parce qu'on pas de résultat. Que ministre de l'éducation nationale annonce que gagne combien mille familles dans 7 départements géographiques pays ya, hormis le grand sud, cap gen pour recevoir 20 000 goudes, etc. Tout ça, c'est du pipi. Ça, c'est problème sécuritaire pour résoudre. Depuis problème sécuritaire pas résoudre, nous ensemble de avancer que nous avons fait. C'est vœu pieux, je veux dire. Oui. Vous allez mettre bail pour être capable de courir sur le dia. Vous mettez bail chaque grande famille 100 000 gouttes de la vente de l'école là.
ou mettre bay chaque grande famille 100 000 gouttes. M'a même parlé de fouchette 15 000, 20 000 gouttes, 25 000 gouttes. Gouvernement parle là. Donc il pas représente rien. Moins que 200 dollars américains. Et bah de ça m'a parlé, non? Ou mettre bay 100 000 gouttes chaque grande famille. Il pas carité rien. Yeah. Si pas rien qui bouge comme ligne dans solution à problème insécurité, ou problème sécurité à Singapour comme ça. Par contre, vous finissez, vous m'avez progressé. Non, mais avancé. Et sur le plan administratif ou bien à l'interne, Gary Kouni avec l'équipe a décidé by tête, yo satisfait, chit yo vle. Et nous, pas prêts à le dire, pas rien qui fait. Parce que probablement, effectivement, gagner des bails qui prend comme résolution, ok, au niveau des ministères ou bien de l'autre institution, pour corriger certaines dérives. Mais quand il y a là, on garde à toute population. À toute population, c'est pas qu'on est combien de monde Gary Kouni coupé chèque qui n'a pas de travail. C'est pas ça qui garde la population. Si on garde à toute population, c'est pas qu'on est qui leur monsieur Kouni te met ton circulaire dehors pour empêcher gagner nouvelle nomination qui fait dans l'administration publique là. À tout le monde, c'est pas qu'on est combien de réunions monsieur Kouni fait, combien de visites il fait, combien de séances de travail il fait avec qui groupe. À tout le monde, trouvé dans quatre priorités de notre cité là-haut. Combien de territoires aujourd'hui, il n'y a pas de mettre pied là-dedans que nous capable récupérer dans mes bandits. À tout le monde, c'est combien de monde qui quitte la caille aujourd'hui, qui retourne dans le quartier, qui retourne dans la caille. À tout le monde, c'est est-ce que bandit a toujours gagné même pouvoir qu'il a gagné ni soir, il a ni avant. À tout le monde, c'est ça. Qui ça l'État a dit moun sa yo. Donc ça veut dire qui ça? Ti machin qui te nan marché Salomon. Nèg ki te gen ti camionnette li ou bi te gen ti bus, il te kon fè Carrefour centre-ville là. Ou bien moun ki gen autobus qui te kon fè trajet Port-au-Prince, Grand Sud, soit ou Kay Jacques Mel ou autre. Ça va intéresser le quoi a dit ou te rencontré Banque Mondiale. Ouais. Ça va intéresser le quoi a dit ou te rencontré FMI ou bien ou défini le protocole d'accord avec le Conseil d'organisation internationale. On t'a intéressé? Si machin a kilo ka retourné à l'van dans marché Salomon et ça intéresse lui. Nèg ki chauffeur bus là, c'est qui le ka continuer travail te kon fait déjà qui c'est transport public. Seul pa gon l'argent la payer bandi et jodi a c'est pour seul groupe bandi va payer l'argent. Sou même route nationale la pa étonné au payer minimum 3 postes de péage. Qui vient faire qui ça? Ou même comme chauffeur, si machine n'a pas pour l'on vient à machine, on va mettre machine dans le là, ça vient dans mon là, il va pas manger pendant 2 jours. Yeah. Par contre, vous comprenez? Mm-hmm. Parce que mettre machine dans lui-même, il vient besoin plus de parce qu'il faut le payer, bandit. Il y a des machines qui font route découpée, il a changé caoutchouc de temps en temps, donc ça son coût en plus. Il fait service plus souvent, il a besoin plus de gaz. Donc c'est normal qu'on y a les augmenter prix machine là. Et qui est-ce qui paye ça? C'est vous-même qu'on y a obligé de faire route là comme citoyen. Et ou bien mieux plus l'argent, ou t'es déjà gain un pouvoir d'achat qui apprend frappe chaque jour bon Dieu mette. Yeah. Donc c'est à toute population ça. Qui les machines qui retourne à l'ouvrir commerce dans le marché Salomon. Et ça. Qui les madame Sarah capable de prendre provision dans le grand sud pays à rentrer avec le Port-au-Prince. Qui les on machine à sortir à provision là, c'est pas seulement mais elle paye combien de dollars américains pour y mettre le miragua ou bien mettre le tigouave. Pour le capacité route nationale numéro 2 à sans problème, c'est ça qui a cette population. Yeah. Donc, quand tu dis comme ça, ou tu fais des réformes dans l'administration publique là, ou tu empêché de nommer les gens, ou tu empêché de révoquer les gens, ou tu fais réunion ceci, ou tu fais feuille de route, ça c'est blague. Yeah. On se comprend. Et je voulais toute équipe gouvernementale là comprendre ça. Pour me répéter, en guise de conclusion, si nous les 100 premiers jours de M. Kouni, par rapport à ça, vous dit, c'est si l'on est dans l'état de repos qu'on fait pour nous. C'est ça, vous dit. En conclusion. En conclusion, c'est ça. Vous connaissez le fin de journée, l'état qui dérange, qui débris en débandade. Vous comprenez? Il est à mettre l'ordre, ça le dit. Le problème, pas nous, le plus commun est. Bon, c'est ça le dit. En substance. Yeah. Et c'est annoncer l'annoncer de l'équipe qui prend là. Il fait un pile promesse là. En pile promesse faite, c'est ça. Oui, en pile comme oui. Et d'ailleurs, nous avons un article dans la nouvelle issue.
dans introduction et article là, il dit monsieur Koné dit, m'ba article là, monsieur Koné dit c'est pas un bilan classique. Mais c'est plutôt un moment de réflexion. Oui, mais vous qui savez le bilan, le bilan aussi, oui. En tout cas, pour un peu le monde qui a regardé, les 100 premiers jours de M. Koné, c'est le néant. Il y a un monde qui dit tout carrément, c'est un 100 premiers jours catastrophique. Yeah. Si vous croyez sa population, vous avez comme attente. Il y a un monde qui a dit tout carrément, il n'y a même pas lieu de parler de bilan. Mais avant de se comprendre, il n'y a même pas lieu de parler de bilan. Donc maintenant, si vous croyez, j'ai articulé l'activité, si vous croyez ça, M. Koné a annoncé comme promesse là, ou bien fait comme promesse là, est-ce que nous allons attendre nous à de l'autre bagage plus concret dans les prochains jours? Je dis à la police, il y a plus qu'un mois, pour me dire un mois, depuis, il y a mené des opérations au niveau de Bel Air, Badelma et autres. La population a toujours attendu qui sa série opération ça ou bien intervention ça ou bien. Est-ce que la police fait back ou bien ce gouvernement n'a pas même motivation encore? Est-ce que tout ça que tu as fait là, c'est pour capable parler dans l'ONU, pour aller dire l'ONU, depuis les là, mais qui ça fait? Est-ce que c'est pour consommation, monde capable gagner, pour constituer assistance au Niel et Haïti pour aller parler? Yeah. Et nous plus souhaits, bon, comme nous avons pour notre parler l'ONU dans nos prochaines émissions, mais nous plus souhaits que la plupart du temps, dirigeants nous parlent langage. Comme si moun ki vou yo fè travail là au lieu ou vinn parler langage pa nou et fè travail pa nou. Par exemple, ou sot ap souligne question corruption là, ken dwi fò k'ap fè bataille et cetera. Mais des fois Johnny Baron tou gadza, entre le dire et le faire, il y a un monde de différence. Par exemple, jour et la nuit. Me rappelle que en fait hier, me croyais que ministère affaires sociales lancé un bagage programme social, programme apaisement social, il a annoncé qu'il y a 9 milliards et combien millions de gourdes qui pourra être disponible pour financer des programmes d'apaisement social, etc. Vous rappelez au soir, il y a un 20 milliards, il y a un premier 3 milliards qui ont été décaissés en 2022 et puis en 2023, il y a 20 milliards qui ont été annoncés. 21 milliards. Qui ça 21 milliards ça fait? Hein? Qui résultat? 21 milliards de gourdes dans le programme d'apaisement social en 2023, mais qui ça fait ensemble avec lui? Moi, c'est que ça, on a cherché à regarder ça. Parce que il y a des gens qui disent que comme ça, c'est comme qui investit dans construire hôtel pour des particuliers, construire restaurant, bâtir caille, acheter terre, etc. Je dis là, pas qu'une reddition de compte qui fait autour de 21 milliards ça. Mais il y a 9 milliards qui font déposer sous table. Il y a un programme gouvernement relancé là. C'est le ministère des Affaires sociales et du Travail qui a piloté. Son programme d'urgence multisectoriel. Il y a une disposition qui prend spécialement pour les gens qui occupent l'espace public avec l'école. Les opérations ont commencé depuis quelques semaines et après commencer effectif dans fin mois. Bref, je vous parler de ça. Moi-même, personnellement, je suis en 20 semaines dans fini là. Je vais aller dans le camp qui est déplacé. Je vais aller à mon Dieu. Bonjour, guerrier. Bonjour, Johnny. Bonjour, Ronald. Une courte pause, on va retourner tout de suite. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.